Yeah, we are. Yeah. Un petit Thunder Strike, histoire de se mettre bien. Ouais, ça marche. Thunder. Je sais pas si on va être très nombreux. C'est d'habitude, c'est plutôt un truc qui marche bien. Alors, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas grand monde en fait. Ouais, alors après, c'est vrai que le thème, la thématique là de la keynote et de la table ronde, je pense que c'est pas quand même intéressant. Parce que justement, il n'y a pas que LinkedIn. Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Écoute, on va Et bien puis, voir, hein. comment démarrer sur LinkedIn? Je pense que bah oui, si ça plaît quand même aux gens qui débutent, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui débutent, là, j'ai l'impression aussi. Donc, et Jean-Michel, je crois qu'il est parti, hein, il n'est plus là, je crois. Ah, il est pas là. Ouais. Donc, bon, on va se faire une conversation tous les deux. Hein. Ah non, Regarde. c'est bon, il y a du monde qui arrive. Et je sens, Aude, que tu vises spécifiquement les sessions où tu vas être seul et tu vas pouvoir profiter. Je le sens. Ton micro est coupé. Coaching personnalisé. Oui, dans ce cas-là, non, excusez-moi, je vais sortir de la Non, réunion, je regarde, n'ai il y a pas quelqu'un encore d'autre qui arrive. rebloqué. Il y a quelqu'un Non, non, d'autre non, non. Je m'en vais, il n'y a pas de problème. qui arrive. C'est pas une critique, hein. Ah ben non. Non, C'est pas une non, critique. mais. Non, non, mais je vais. C'est pas une critique. Il y a pas de problème. Je ne savais pas que j'étais encore toute seule. Eh bien, écoute, pour l'instant. Non, mais je vous laisse tous les deux et rejoindre d'autres conférences. Je ne vais pas vous bloquer ici. On ne va pas reproduire la même chose que tout à l'heure. Et donc, Alors, je vous remercie. déjà, moi, ça va reproduire, mais pas pour Yves. Et moi, j'ai pas de problème avec ça, donc. ouais, bah, je Non, ne sais ben, pas, non. si oh, ça te pose vraiment un problème, moi, justement, il n'y a pas de problème pour que tu quittes et puis qu'on fasse autrement. Ouais. Bah, en fait, bah, si vous le faites sous forme de conférence, parce que je pense que le sujet peut intéresser du monde par la suite, notamment si c'est enregistré. Après, moi, je ne suis pas sûre de participer, hein, si c'est le cas, parce que j'ai plutôt la curiosité de vous écouter. D'accord. Qu'est-ce que tu répondrais, toi, à comment développer son image de marque personnelle pour établir la confiance, pour accélérer les relations d'affaires, par exemple? Qu'est-ce que tu réponds? Moi, par rapport à ça, moi, j'avais pas forcément prévu de faire un mode conférence pour le coup. Bah moi non plus, mais je posais la question à Aude. Ah, Ah non. d'accord. Bon, écoutez, je vous abandonne. Bah, dommage. Non, mais non, parce que je venais pour apprendre, enfin apprendre d'autres personnes, enfin de vous et puis des personnes qui pouvaient échanger et être plutôt une petite souris parce que je n'ai pas beaucoup de choses à dire à titre personnel. Donc là, je suis un peu gênée. Ok, tu veux. Dans tous les cas, c'est ok. Tu restes, c'est ok. Et tu le sens pas, tu t'en vas, c'est ok. C'est comme tu veux. On fait ça. Ah, c'est embarrassant. Allez, tu es embarrassé, mais pas nous, hein. Ben, non, mais vous qu'est-ce que. Enfin, je suis curieuse de vous entendre. Bon, allez, je me lance. Enfin, comment développer son image de marque personnelle si on veut démarrer par là et établir la confiance? Moi, je dirais que quel que soit le réseau social déjà, ou quelle que soit la manière dont tu l'utilises, ou même quand tu es dans un réseau en vraie vie, genre imagine, il y aurait eu le Social Selling Forum là à Laval, il y a un truc qui reste vrai dans tous les cas, c'est d'être authentique. C'est d'être en accord avec soi-même et d'être soi-même, mais bien avec soi-même. C'est-à-dire que si on se voit faire, on va avoir le recul de se voir faire et dire, est-ce que c'est moi ça? Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Bah, je pense que c'est pareil sur les réseaux quels qu'ils soient. Et après, moi, je ne suis pas un grand spécialiste des réseaux sociaux, je suis plus côté, bah, tu l'as compris tout à l'heure, ou de côté accompagnement, côté psychologie, philosophie, formation, leadership, tout ça. Mais voilà ce que moi je peux dire déjà pour démarrer le sujet. C'est vrai que moi je suis plutôt d'accord avec ça. C'est vrai que le côté personal branding,
faut rester vrai, faut rester soi, il faut pas se dénaturer, parce que de toute façon, à un moment donné ou un autre, on va pas forcément faire que du réseau virtuel. On va aussi pouvoir rencontrer des gens en vrai. Moi, j'utilise surtout LinkedIn pour garder un lien avec des gens que j'ai croisés en vrai, ou en tout cas, ou en visio, ou en conférence, ce genre de choses. J'ai très peu dans les personnes que j'ai dans mon réseau sur LinkedIn, c'est quasiment que des gens que j'ai déjà rencontrés, en fait. J'accepte très rarement des personnes que je n'ai jamais rencontrées. Mais moi, je demande rarement des demandes à des personnes que je n'ai pas au moins rencontrées une fois, ou au moins échangées avec via donc, la vraie vie ou l'intermédiaire de visio. Faut rester vrai, faut rester authentique. Et puis, moi, je pense qu'il n'y a pas forcément, si on y va carrément jusqu'à le développement de son réseau et jusqu'à la régularité, c'est vrai qu'on en parle souvent de la régularité. Moi, je ne suis pas forcément d'accord sur ce point-là. Personnellement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui soit très régulier dans ses posts LinkedIn. Et pourtant, quand je fais un post, j'ai souvent des personnes qui répondent. Et ça fait partie, je pense que être sur les réseaux comme on est dans la vie de tous les jours, c'est ce qui est le plus important quand on fait du personal branding de toute façon. Parce que sinon, à un moment, de toute façon, il y a deux possibilités. Soit tu essayes de montrer une image qui n'est pas la tienne, et tu deviens un peu schizo, ou alors complètement épuisé parce qu'il faut la maintenir et ça devient très difficile et presque dérangeant. Ou alors, à un moment, tu n'y arrives pas et en fait, tout s'écroule en 2 secondes alors que ça se trouve, ça fait 1 an que tu as monté une fausse image. Donc, effectivement, l'authenticité, je crois qu'il n'y a pas de sujet. Puis, c'est quand même beaucoup plus reposant pour tout le monde, quoi. Tu vois, à un moment... C'est sûr. Vas-y. En tout cas, effectivement, pour pouvoir développer, après développer tout ça, c'est sûr qu'il faut s'appuyer après derrière, bien évidemment, sur toutes les techniques et tous les conseils qui ont pu être dits depuis le début de la matinée et dans les différents ateliers. Après, voilà, il faut mettre aussi les mains dans le cambouis, il faut commenter des posts, il faut en écrire, il faut citer des gens qui sont dans notre réseau, des personnes qui sont dans... Voilà, des personnes qu'on a envie d'atteindre aussi, tout simplement. On peut très bien citer des personnes qui ne sont pas dans notre réseau, mais avec qui on a envie d'engager la conversation. Donc, ça, c'est aussi très important de développer tout ça quand on veut développer son réseau et notamment sa marque personnelle. Tu en es où, toi, sur LinkedIn, Aude? Ta marque personnelle, c'est quelque chose qui te parle déjà ou... Non, je suis au balbutiement. Donc, c'est pour ça, je viens apprendre. Ouais. D'accord. C'est dans cette perspective que j'ai participé à la journée, par curiosité et puis pour apprendre. Maintenant, je connais tous les préceptes, ce qu'il faut faire, les principes. Et il va falloir que je les mette en œuvre. Voilà. D'accord. Et donc, si j'ai regardé rapidement, donc tu es avocate, c'est ça? Oui. Du coup, OK. Et qu'est-ce que tu recherches dans LinkedIn? C'est développer ton cabinet? C'est quoi? C'est de la notoriété? Oui, alors bon, comme je le disais précédemment, je suis encore un petit peu en phase de réflexion, mais effectivement, ça serait dans l'hypothèse où je poursuivrais cette activité-là, c'est effectivement avoir une certaine visibilité et en servir comme une vitrine pour pouvoir proposer ses services. Voilà. D'accord. OK. Quelque chose d'assez basique. Hein. Ok, sur un domaine bien spécifique, j'imagine, au niveau du droit, de l'avocat. Oui, à la base, en propriété intellectuelle et droit de la presse, et puis en droit social. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, donc les conférences de ce matin ont dû être très intéressantes, j'imagine, aussi, quand on a parlé des différents droits. Bah, écoutez, je les ai lues en écoutant les conférences avec intérêt, j'ai adhéré à tout ce qu'elles disaient. c'était très bien. D'accord. J'aurais pas mieux fait, même moins bien peut-être.
Tu sais, pour nourrir un petit peu ta réflexion, je peux peut-être te faire part d'un truc par rapport à l'image, au personal branding et à la notion d'image. En fait, on a tous une image qu'on a, nous, de nous-mêmes. Et on pense qu'on a une image, alors ça dépend des gens, hein, mais soit on pense que les gens ont cette même image de nous, soit on pense que, on a une image qu'on projette qui est différente de la nôtre, que nous, on pense avoir de nous. Je suis clair jusque-là? Ça va? En fait, ni l'un ni l'autre n'existe. L'image de nous, c'est une représentation, une construction qu'on s'est faite nous-mêmes. Déjà, il n'y a que nous qui l'avons. Donc techniquement, elle n'existe pas en soi. Et ensuite, l'image que les autres ont de nous, eh ben, on n'en a aucune idée. C'est à nouveau une construction qu'on se fait où on se dit, tiens, les autres doivent penser ça de moi ou me voient comme ça ou quoi. Okay. Donc en fait, la seule personne qui peut faire de la marque personnelle et du personal branding, c'est toi. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que la manière dont tu vas t'exprimer et tu vas vouloir aligner ton branding par rapport à toi, t'as juste, enfin, faut que tu sois complètement authentique dans l'idée et que tu sois capable de le faire naturellement sur quel que soit le réseau d'ailleurs et quel que soit le média que tu utilises, médium, pardon, que tu utilises. Et ça, c'est intéressant parce que ça vient, comment dire, le côté image sur les réseaux sociaux, il va être aussi, peut-être que toi, tu vas avoir un reflet de l'image que tu donnes qui finalement n'existe pas lui non plus. C'est-à-dire que tu vas te dire peut-être, quand tu vas regarder les réactions des gens, tu vas dire, oh là là, ils me prennent pour ceci ou cela. Mais en fait, tu sais pas. Et en fait, on ne sait pas. Et surtout que sur les réseaux sociaux, des fois, les gens se lâchent un peu. Et donc, ce n'est pas forcément un truc à prendre en compte au premier degré ou au pied de la lettre. Mais le côté image de marque, personal branding, marque personnelle, peu importe comment on veut le dire, si toi, tu le fais comme tu es, il ne pourra que fonctionner parce qu'il sera en adéquation avec toi. Je ne suis pas sûr d'avoir été très clair, mais si, c'est bon. Si, je. Si, c'est bon. Bienvenue, Elisa. C'est quasi philosophique, mais c'est bon. C'est clair. Ça l'est, ça l'est, ça l'est. Philoso, psycho, Oui. coachingo, ce que tu veux. Mais je mélange tout ça, moi, pour bosser. Donc. Elisa, est-ce que tu as des sujets sur lesquels tu voudrais qu'on aille, des questions, des. Parce que c'est des ateliers là, donc l'idée c'est que vraiment on soit dans l'échange. Je venais par curiosité parce qu'au final, il n'y a pas que LinkedIn, parle surtout pour le B2C en fait. Enfin, c'est un cas d'exemple pour le B2C et comme moi je suis dans le B2B, ça me concerne moins. Et pour le coup, le fait de développer son image de marque personnelle, ce n'est pas vraiment le sujet non plus, mais c'est quand même développer son image sur LinkedIn. Mais, pour chaque collaborateur chez nous, quoi, si on veut, au profit de notre entreprise, quoi. Donc, voilà, je viens pour prendre Ok. Et quel des est-ce que tu aimerais savoir alors? Sujet sur bah, du lequel. coup, si je me mets dans la peau d'un commercial, par exemple, c'est effectivement comment il peut, enfin, qu'est-ce qu'il peut publier pour mettre en confiance sa cible et puis que derrière la cible en fait a envie d'échanger avec lui quoi. Alors, je sais pas si tu t'en rends compte. Je te parle d'une impression là, hein. Je te dis pas que j'ai la vérité, hein. Ce n'est que ma vérité, voire mon impression. J'ai entendu commercial, cible, attiré, qu'il ait confiance. Est-ce que dans la vraie vie, en parlant avec des gens que tu aurais en relation directe, tu parlerais de la même manière? Ben non, je, enfin, Et pourtant, c'est des vrais gens qui sont derrière les profils LinkedIn.
Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Ben si, enfin, après, je pense que j'ai les réponses, hein, mais c'est déjà évoqué la manière dont comment on travaille. Par exemple, je sais pas, le commercial, il peut déjà, il y a le travail, il y a aussi, ça peut être des valeurs comment dire, propres à lui. Par exemple, la pratique du foot, je ne sais pas, mais pourquoi la pratique du foot? Parce que le foot permet de pas lâcher, enfin, de tout donner, d'être enfin, jusqu'au dernier moment, par exemple. C'est de l'investissement, c'est de la cohabitation avec, au sein de l'équipe, etc. Enfin, voilà, différentes valeurs, admettons. Je parle comme ça parce que je fais du foot et qu'en plus, les commerciaux chez nous sont des footballeurs. Mais ça peut être ça. Et en même temps, derrière, ça peut être, dernière affaire qui a été conclue avec tel client sans forcément le mentionner, mais peut-être pour montrer un peu ce qui peut se passer aussi, ce qu'on peut apporter en termes de service. En fait, si tu veux avoir une image de marque personnelle, c'est un peu ce qu'on disait au début, c'est qu'il faut déjà que toi, à titre personnel, tu sois aligné, tu fasses quelque chose d'aligné avec toi-même. Et voilà, je l'ai saoulé. je pense qu'elle n'a plus de batterie au vu du petit bruit que j'ai entendu avant que ça se déconnecte. Je pense qu'elle n'a plus de batterie sur son ordinateur et pouf. Oui, je pense aussi. Hein, effectivement, il y a un problème de batterie. J'ai pas entendu le petit bruit. Vous avez le Wi-Fi. Ouais. Si, si, il y avait le bruit de batterie. Hein. Il y a les caractéristiques de l'ordinateur qui se déconnecte, effectivement, enfin, qui est déchargé. Okay. Dommage, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir comment on peut, parce que là c'est plus de la marque employeur plus que de la marque. Oui, c'est ça, personnelle. C'est plus les valeurs de l'entreprise à transmettre. Et c'est vrai que c'est un sujet aussi important parce que bon, les entreprises semblent avoir beaucoup de difficultés à attirer des salariés, donc c'est vrai que c'est important pour eux de pouvoir transmettre aussi leurs valeurs, donner aux salariés l'envie d'aller travailler chez eux. Et je comprends sa problématique parce que on voit que elle a éventuellement besoin d'avoir des clés pour essayer d'attirer. Ah bah voilà, elle revient. Le retour. Problème de batterie du coup. Voilà, c'est ça. Désolé, j'ai pas vu Louis Fine. Alors c'est bien ça. Ok. Peut-être avoir. Du coup, oui, mais tu disais. Alors de mémoire je disais quoi déjà, être authentique, c'est, ah oui. Ça ouais, c'est ce qu'on disait juste avant, en fait un profil LinkedIn c'est un profil personnel, donc même tes commerciaux, leur profil il est perso, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils aient l'envie, et on en revient à la keynote de tout à l'heure, hein, faut qu'ils aient l'envie d'utiliser leur profil perso pour faire la promo de quelque chose de pro. Et donc, pour qu'ils aient envie de faire ça, ça veut dire qu'il faut qu'ils y aient un intérêt, mais au sens, comme je disais tout à l'heure, noble du terme, pas nécessairement financier ou quoi ou qu'est-ce. Mais déjà, en tant que communiqué, en tant que personne, enfin, je pense que si tu parles avec des commerciaux, quand tu vas leur demander qu'est-ce qui est le plus important dans une signature, ils vont te dire c'est l'humain. Ils signent avec quelqu'un. Signe pas avec nos ou avec ceci ou avec cela. D'abord, la personne, elle signe parce qu'elle a confiance en la personne qui est en face. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, si déjà eux se font connaître comme étant salariés d'une boîte, mais qui parlent d'eux au sens voilà mes valeurs, etc., ils vont avoir une image qui va être construite, bonne ou pas, hein, mais ils vont avoir une image qui va être construite en tant que personne. Et si après, vous arrivez à comprendre quels intérêts ils pourraient avoir, et ça, ils peuvent être multiples, hein, mais à comprendre quels intérêts ils pourraient avoir. Tu vois, par exemple, souvent, ce qui va être conseillé pour ça, c'est de réunir tous les commerciaux et de faire des ateliers collaboratifs pour poser vraiment les questions sur les sujets. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, en fait. C'est eux qui ont la réponse. Pas nos, pas moi, pas toi, eux, en fait. Il faut juste poser correctement les questions, ce qui est tout un art. Mais il faut juste poser les questions. Et une fois que tu as ça,
là, après, tu vas pouvoir les aider à ce que leur marque personnelle puisse servir, s'ils le veulent, ils ont le droit de refuser. Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est pour ça que ça marche d'ailleurs. Parce que ceux qui y vont, c'est qu'ils ne sont pas obligés. Et ils deviennent ambassadeurs. Tu vois, je fais un raccourci, mais c'est l'idée. Enfin, je fais une simplification, on va dire, mais c'est l'idée. Et du coup, après, effectivement, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, on va communiquer avec sur les succès, on va partager les succès. Et en fait, ça va se faire au fur et à mesure et tu vas faire un cercle vertueux. C'est-à-dire que l'entreprise va y gagner, mais les collaborateurs ont un intérêt aussi à le faire, etc., etc., etc. Mais pour moi, sans preuve, sans exemple, c'est compliqué de les convertir à tout ça. Comment vous y êtes pris jusqu'à présent ? Comment vous vous y êtes pris jusqu'à présent ? Qu'est-ce qui fait que tu me dis que c'est difficile ? Qu'est-ce que vous avez fait pour le faire ? Non, pour le moment, on n'a rien fait. Pour le moment, on est en réflexion, justement. C'est en réflexion. Il y a des personnes, certains qui m'ont dit que pour eux, ça ne faisait pas partie de leur tâche quotidienne. Enfin, ils ne voient pas ça dans leur tâche en tant que commercial. Mais ce qui est normal, et en même temps, l'inscrire dans le contrat de travail, ça peut paraître un peu étrange, étant donné que ça reste privé. Je crois même que tu n'as pas le droit légalement. Oui, c'est possible. Ouais. Et par contre, il y a une autre personne, un autre commercial qui, lui, a publié à plusieurs reprises, mais pas non plus excessivement, et a réussi à récupérer 5 leads, 5 nouveaux contacts. C'est pour ça que je parle de preuve. En fait, le fait que déjà, il y a une personne qui l'a fait volontairement sans qu'on lui ait dit quoi que ce soit. Je pense qu'on pourra s'appuyer là-dessus pour motiver, entre guillemets, les plus réfractaires. Mais est-ce que ce qui va motiver tes... Je pense que peut-être il y a cette question à se poser. Est-ce que ce qui va motiver tes commerciaux, c'est le fait de lever des leads ? Non, ça, c'est ce qui intéresse Snoz. Mais est-ce que c'est ça l'intérêt des commerciaux ? Ils ont quand même un intérêt pour leur prime commerciale. Ils ont quand même intérêt de vendre leur... Voilà. Je te remercie. Nous y voilà précisément. Je te remercie beaucoup. Si tu comptes uniquement sur l'argent, tu n'auras... Fais-moi confiance, je peux te refaire tout le truc si tu veux, hein, mais je te demande, de là, on n'a pas le temps. Donc, je vais te le faire très court. Si tu comptes uniquement sur l'argent pour motiver les gens, je peux te conseiller un super bouquin qui te démontrera par A plus B, hein, par la psychologie et des études psychologiques, que ça ne marchera pas ou que ça ne durera qu'un temps. Et qu'en plus, ce sera moins avec un prérequis là. Et puis, je me permets d'intervenir. Tu gagnes ta vie à peu près correctement déjà au départ. Avec le prérequis, Laurent, dans le cadre du salarié, la notion de motivation par l'argent. Et d'accord, ça, c'est le prérequis. Non. Le pourquoi, c'est-à-dire le why est très important pour les fondamentaux, mais à un moment donné, tu as des personnes qui ont besoin d'être motivées parce qu'elles vont, elles, gagner, d'accord ? Et ça fait partie de leur driver. Non, il n'y a pas de driver sur l'argent, Jean-Michel. Ça n'existe pas, le driver sur l'argent. Enfin, les drivers, ce n'est pas ça. Il y a autre chose sur les drivers, mais bon, il est parti. Il se fait livrer en même temps chez Amazon. Non, en fait, après, je vais te dire très rapidement sur l'histoire de l'argent. Je ne dis pas l'argent, c'est mal ou quoi, ok, ce n'est pas le sujet. En fait, le sujet de l'argent, on lui a donné une place énorme dans la société et on considère aujourd'hui que l'argent est un motivateur. Il est un motivateur extrinsèque. C'est-à-dire que parmi tous les motivateurs, c'est l'un des plus faibles. Je vais prendre le temps de te partager une expérience qui a été menée. Si le nom du bouquin t'intéresse, je te le donnerai. On a demandé à des enfants, alors je prends l'exemple avec les enfants, mais je vous assure que les expériences similaires ont été menées avec des adultes, mais vu qu'elles sont plus compliquées à expliquer, je vais faire avec les gosses. Sachez que les résultats sont les mêmes avec les adultes. On a demandé à des enfants, on a pris deux groupes. On leur a filé des crayons, des dessins, des feuilles, enfin des feutres, des machins. On leur a demandé de dessiner. Au premier groupe, on leur a dit,
voilà les outils pour dessiner. Dessinez ce que vous voulez. Le deuxième groupe, on leur a donné la même chose. On leur a dit, bah, si vous faites un beau dessin, vous aurez un bonbon. Parce qu'il y a l'argent pour les enfants. Ce qu'on appelle une motivation extrinsèque. Les expériences se sont reproduites plusieurs jours de suite. Régulièrement. Et les dessins ont régulièrement été analysés par des psychologues, des pédopsychologues, des pédopsychiatres, etc. Et ils ont analysé également les comportements des enfants. Et en fait, il s'est avéré que tous les enfants qui n'étaient absolument pas motivés par le bonbon faisaient des dessins qui étaient beaucoup plus appliqués, beaucoup plus créatifs, beaucoup plus colorés, beaucoup plus jolis. Et pourtant, qui leur prenaient beaucoup plus de temps. Alors que enfants le faisaient pour le bonbon, les autres. Donc en fait, oui, donc en fait, ils pensent avant au bonbon, donc ils font vite, rapide, et puis à la fin, ils savent que dans tous les cas, ils auront un bonbon, donc ils ne vont pas se fouler, quoi. Non, ils doivent faire le dessin. Oui, mais du moins, ils y mettent beaucoup moins d'investissement et beaucoup moins d'intérêt, parce qu'ils pensent déjà à ce qu'ils vont avoir derrière, quoi. Alors non, c'est pas ça, c'est qu'ils ne le font pas pour la même raison. C'est qu'il y en a qui le font pour le plaisir de dessiner et il y en a qui le font pour la récompense. Ok. Ouais, bien sûr. Et toutes les expériences qui ont été menées sur les adultes, qui ont transposé cette expérience sur les adultes, démontrent exactement les mêmes mécanismes. Alors, maintenant, on va mettre des gros guillemets. Hein. Bien entendu, on a tous besoin de manger. Voilà. Mais ce qu'on a pu démontrer, c'est qu'en fait, la rémunération n'est pas à partir du moment où tu as suffisamment pour vivre. On est d'accord. Mais sinon, si tu motives les gens parce qu'ils n'ont pas assez pour vivre, c'est malsain. Donc là, on en rentre dans une autre dimension encore. Mais à partir du moment où tu as assez pour vivre, l'argent n'est pas un critère de motivation. Et d'ailleurs, je vous déconseille, alors, il va falloir que je fasse très attention en disant ça, je vous déconseille de remercier les gens avec des primes. Parce qu'en fait, le problème, vous avez quelqu'un qui fait quelque chose de bien. Vous vous dites, en toute bonne foi, je vais le remercier en lui donnant une prime, ce qui est sympa de votre part, et il va certainement très bien le prendre. Maintenant, imaginez la fois d'après, il fait la même chose, voire plus, et vous ne donnez pas de prime ou moins. Il va dire, c'est dégueulasse. Donc, en fait, ce n'est pas le sujet, l'argent. Je parle de prime argent, là. On ne parle pas d'autre chose, on est bien d'accord. Donc, en fait, l'argent n'est pas le sujet. Donc, si vous attendez de vos commerciaux. Alors, je ne sais pas, je ne les connais pas, on est d'accord. Mais ce que je sais, c'est que c'est généralement un très mauvais motivateur. De toute mon expérience et de toutes les expériences psychologiques qui ont pu être menées, ce n'est pas le moteur qui va les driver pour aller prendre la parole sur les réseaux sociaux. Alors, je comprends, mais du coup, ça remet en question toute la base d'un commercial, puisqu'un commercial a toujours un SMIC, enfin du moins une base, plus des primes, des commissions. Alors, pas toujours, mais peut-être chez Noz. Pas toujours, mais en général, les commerciaux, ils ont souvent quand même une base et puis des commissions selon s'ils atteignent les objectifs au mois. Enfin, en tout cas, pour moi, pour ma part, c'est des commerciaux que je connais en dehors de là où je suis actuellement. Mais c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien. C'est ça. Mais il y a quand même des profils qui sont attirés par ça aussi, je pense. Alors, je confirme quand même que la plupart des commerciaux sont quand même rémunérés de cette façon. Un salaire de base plus un variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé. C'est presque inhérent à la fonction parce qu'ils ont la... C'est un élément quand même qui les motive à vendre les trois quarts du temps et c'est sur ça qu'est assise leur rémunération. Donc, ce n'est pas propre à Noz, je pense. Alors, non, je n'ai pas dit que c'était propre à Noz. Je reconnais parfaitement, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais je dis que je ne suis pas forcément d'accord de base avec le modèle, mais ça, c'est à la limite presque en dehors de la conversation. Et je dis simplement que ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est la meilleure méthode. C'est juste ça que je dis. Et en revanche, ce que je dis, c'est que du coup, si vous allez leur demander de faire plus que leur job, ils vont vous dire « c'est pas mon job et je ne suis pas payé pour ça ». Résultat, c'est la réflexion que tu as eue tout à l'heure. Et ils vont te dire « payez-moi pour le faire ». Sauf s'ils sont persuadés que ça peut quand même satisfaire, ça peut être un moteur pour atteindre les résultats du mois, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, c'est un outil. Aujourd'hui, ils ont le téléphone comme outil. Mais si demain, LinkedIn ou autre peut leur permettre d'acquérir mieux
que par le téléphone, alors à ce moment-là, ils y verront un intérêt. Alors, potentiellement oui. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu leur poses réellement la question. Parce que le fait de leur poser la question, ce n'est pas que pour avoir la réponse. Hein. Oui. C'est pour co-construire avec eux. Oui, et que du coup, ils prennent partie sans qu'on les force à quoi que ce soit et qu'ils prennent partie d'eux-mêmes ou pas. Mais, Les impliquer, ouais, ça. Ce qu'ils souhaitent, dans un processus où ils vont co-construire l'approche de cette nouvelle solution. Le fait de poser la question, oui, on veut les réponses, mais on veut surtout qu'ils fassent l'effort d'y répondre et qu'ils se mettent du coup dans la réflexion et dans le sujet. Et ça, c'est tout un art. Ça ne se fait pas comme ça, ça s'apprend, ce n'est pas évident à faire. Mais quand tu passes par ce sujet-là, en fait, normalement, de mon expérience, tu ne peux pas te tromper. Parce qu'en fait, tu es parti d'eux. Tu n'es pas parti de ce qu'une direction ou quelqu'un pense pour les autres. Parce qu'on pense toujours mieux pour les autres. Tu sais, tu as remarqué ? Mais en fait, non, en réalité, on sait que dalle des autres. En fait. Mais vraiment, hein. Donc, leur demander, vraiment. Enfin, ça répond à ta question, j'espère. Ouais, non, mais de toute façon, c'est prévu qu'on fasse des ateliers LinkedIn ensemble. À la base, c'était déjà plus pour. En gros, dans mon idée, j'avais deux ateliers. C'était leur proposer déjà une mise à jour de leur profil, déjà. Et puis, par la suite, justement, pour ceux qui étaient intéressés, c'est sur le bon vouloir de la personne, hein, donc de s'inscrire pour justement apprendre un peu à comment publier, etc., les astuces et autres. Alors, c'est bien, mais c'est à l'envers. Alors, attention, tout ce que je dis là n'est que ma vérité, hein, ou mes convictions. Tu leur expliques dans les deux ateliers du comment. C'est-à-dire, tu leur dis comment faire mieux votre profil et comment publier. Oui, mais pourquoi en fait faut que... Merci, je vois qu'on vient de se comprendre. Tu leur demandes pas, si tu ne leur amènes pas d'abord la réflexion qui va venir d'eux-mêmes de « mais pourquoi on le ferait en fait ?» Tu vas faire chou blanc. Je vais te donner un exemple. C'était hier ou avant-hier, j'étais en réunion avec des gens avec qui je travaille et on était en train de réfléchir à comment on allait monter une formation et dans quel ordre on allait mettre les modules. Et en fait, il y a deux modules où on est vraiment sur ce qu'on appelle du hard skill. C'est-à-dire, c'est de la gestion de risque et des choses comme ça. Là, on est vraiment sur du hard. C'est des techniques et tout très particulières sur des trucs de gestion de projet. Mais en fait, on leur a dit, mais ça, on les met à la fin. On les met en dernier. Parce que, exactement de la même manière que je te le dis là, tu peux être le meilleur en gestion des risques si tu ne sais pas le communiquer correctement, si tu n'es pas à l'aise avec le fait de les gérer et que tu es en panique dès qu'il y a le moindre risque qui se pointe sur ton projet en tant que personne, déjà tu seras en panique. Mais en plus, si tu ne sais même pas pourquoi tu le fais, pas d'intérêt, tu vois. Si tu n'as pas toi ton intérêt. Donc, prévoir des ateliers de formation sur le comment, moi, c'est souvent ce que je remarque, et c'est pour ça que je travaille dans l'autre sens, c'est que bien souvent, on oublie le « mais pourquoi on le ferait en fait ?» Et il ne faut pas oublier qu'un freelance ou un indépendant, naturellement, si tu ne te poses pas cette question-là, il ne viendra pas. Hein. Et s'il ne voit pas son intérêt dans le comment, donc ça veut dire s'il n'a pas déjà eu la réflexion lui-même, il ne viendra pas. Mais vous considérez en tant qu'employeur, et j'ai fait les mêmes erreurs aussi hein, quand j'étais manager. Au début, j'ai mal managé, ou quand j'étais chef de projet, j'ai mal managé. J'ai considéré que les gens qui étaient salariés devaient faire ce qu'on leur disait. Ouais, mais ils le font sans aucune implication. Ils le font parce qu'on leur dit de le faire. Et c'est là la différence. C'est est-ce que je fais ce qu'on me dit de faire ou est-ce que je le fais avec implication, avec envie ? Et donc, le sujet, il est de savoir, et on en revient à la même chose, c'est quoi leur intérêt ? Avant de leur dire comment le faire. Ok. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas. Je vois complètement. En plus, c'est un peu notre façon de procéder parce que nous, on travaille en groupe de travail. Enfin, on a des groupes de travail, en fait. On se mélange entre commerciaux, support, marketing pour justement travailler sur des sujets divers et variés comme l'amélioration
continue au travail, le recrutement, comment on peut améliorer notre recrutement à l'année, etc. Et donc, voilà. Donc, du coup, on a déjà l'habitude, en fait, de se poser autour de la table et de réfléchir à différentes actions. Et donc, maintenant, effectivement, ça s'inscrit dans la stratégie, mais il faut aussi en fait, en faire un sujet, justement, un sujet qui est pris par l'ensemble des collaborateurs. Et pour faire ça, l'ensemble, en tout cas, tous ceux qui vont le vouloir, mais plus tu vas réfléchir avec eux sur le côté comment on fait véritablement pour les amener à ce qu'on découvre ensemble, parce que c'est ça le sujet, leur intérêt ou leurs intérêts, et plus tu risques d'en embarquer beaucoup. Tu vois, imaginons demain je te dis pour faire de la musique tu places tes doigts comme ça et tu fais ceci puis tu utilises ta main droite comme... je fais ça parce que je fais de la guitare hein. Et tu fais ça machin, tu me regardes, tu vas me dire ouais mais pourquoi faire en fait, enfin j'ai pas envie de jouer de la guitare en fait, je m'en fous. Alors que si d'abord je commence à te parler et qu'on définit ensemble, je sais pas, hein, j'en sais rien, je prends un exemple, et que je te questionne, je te dis, mais qu'est-ce que t'aimes dans la musique? Quel type de musique? Pourquoi t'écoutes cette musique-là? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la musique? Et imaginons, hein, je vais prendre un exemple bateau, en fait, t'aimes bien, par exemple, je sais pas, Jimi Hendrix ou vraiment des guitaristes de légende, et tu te rends compte que finalement, en te questionnant, c'est la guitare qui te fait kiffer et que ça te ferait kiffer de pouvoir reproduire et peut-être même de créer tes propres trucs. Ok, là après je vais commencer à t'expliquer comment on place les doigts sur une guitare. Tu vois, mais avant ça n'a pas de sens en fait. Justement la fameuse quête de sens, bah, on est dedans là, ça n'a pas de sens pour les gens qui sont en face. Oui, je vois complètement. Ouais. Je suis la première à me dire mais pourquoi en fait. Pourquoi faire? Je veux bien, mais pourquoi faire? C'est vrai que dans toutes les tâches qu'on m'a données, j'ai toujours voulu savoir quel était l'intérêt. Quoi. Sinon, c'est vrai que tout de suite, tu ne te sens pas concerné. Tu ne te sens clairement pas concerné et tu mets beaucoup moins d'investissement. Quoi. Donc, le résultat, à la fin, il n'est pas... Et au bout d'un moment, on arrive à finalement, quand on est quand on est dans des types de jobs où on ne voit pas le sens de ce que l'on fait, finalement, le seul sens qui reste... c'est gagner de l'argent, c'est-à-dire quoi. Mais en fait, tu vois bien que ça ne motive pas. Mais c'est vrai qu'on est habitué à des fonctionnements différents. Et pourtant, ça paraît logique, tu vois, quand on le... J'ai beaucoup trop parlé. Yves, c'est à toi. Oh bah, t'as tout dit, hein. Moi, je ne suis pas du tout... Moi, ce n'est pas... du tout ma partie de parler forcément trop de personal branding. Hein. C'est vrai que je reste convaincu sur ce qu'on a dit au début et sur le fait d'être authentique. Et si je veux rebondir sur le pourquoi, effectivement, c'est pourquoi on fait les choses et pourquoi on publie. Moi, fondamentalement, je suis quelqu'un qui me considère comme un animateur du changement. Voilà, c'est peut-être beaucoup, c'est peut-être un gros objectif, mais en tout cas, je veux être acteur du changement. Pourquoi je fais ce que je fais? C'est parce que j'ai envie d'être acteur de ce changement, en fait. Et c'est pour ça que je publie des choses, c'est pour ça que je suis en accord avec ce que j'aime, avec mes valeurs, avec tout ça, et que tout ce que je fais... en fait, finalement, servent ma cause principale, hein, qui est ça, qui est être justement un acteur du changement. Donc, moi, pour le coup, dans la cause environnementale. Mais voilà, c'est vraiment ça, quoi, moi, qui me motive. Et tant qu'on reste raccord et cohérent, après, ça reste qu'un outil et que de la technique, et puis on y va, quoi.
Aude, je te voyais sourire tout à l'heure quand je disais je sais plus quoi, je te voyais rire, mais je me disais tiens, au moins je fais rire quelqu'un. C'est déjà ça. Non, je souriais globalement parce qu'en fait, vous exprimiez des choses très vraies et très justes, certainement, mais c'est vrai que la question du pourquoi, la question de l'argent, etc., ça parle quand on s'adresse à une personne. Mais là, je voyais la problématique d'Elisa Veil, et c'est vrai qu'il y a la limite, c'est que quand c'est l'entreprise, c'est un peu plus compliqué, je pense, de se projeter. Et donc, du coup, je voyais que le pourquoi est autre que l'argent, c'était pas une question nécessairement évidente à aborder, et je comprenais dans son attitude que ça allait pas être très simple à gérer ces ateliers. Voilà pourquoi je souriais. D'accord. Bah après, en fait, à nouveau, c'est une question de conception et de point de vue. Quand on parle d'une organisation, c'est jamais que des gens qui font l'organisation. S'il n'y a pas de gens, il n'y a pas d'organisation. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas si simple. Ne vous inquiétez pas, j'ai bossé pour des très grosses boîtes aussi. J'ai bossé pour des boîtes moyennes, j'ai bossé pour des toutes petites. Pour vous donner une idée, la plus grosse pour laquelle j'ai bossé, c'est AXA. Donc voilà, il y a du monde. J'ai bien connu le poids de l'inertie, si je puis le dire ainsi, hein, parce qu'AXA, c'est une administration, hein, c'est plus une entreprise. Tout dépend de ta zone d'influence et de ta sphère dans laquelle tu évolues, de ta sphère d'influence. Je vais te donner un exemple. Souvent, je travaille avec des managers. Ils ont ce même type de réflexion, c'est-à-dire qu'ils disent oui, ben c'est bien beau, vous nous montrez, on travaille ensemble sur dans votre formation sur des méthodes de management, on est vraiment sur le leadership, inciter les gens, pas diriger, la fermeté ça sert à rien, etc. Et ça, bon, je vous le fais très rapide. Et après la personne dit ben oui, mais dans la boîte ça marche pas comme ça. Je dis oui, d'accord, mais on vous a embauché pourquoi? Ah bah pour atteindre les objectifs, d'accord. Donc, votre manager, ce qu'il veut, c'est que vous atteigniez les objectifs. Oui, donc on est d'accord que comment vous atteignez les objectifs et comment vous gérez votre équipe, c'est de votre responsabilité à vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a embauché. Ouais. Bah là, rentre en jeu le courage managérial. Et parfois, ça clash, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Parfois, ça clash, mais souvent, ça passe. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous êtes avec un boss et que vous faites les objectifs ou que vous les faites à peu près, la manière dont vous allez gérer votre équipe, c'est votre responsabilité. Et donc, si vous avez un boss au-dessus de vous qui est plutôt intelligent là-dessus, il ne vous emmerdera pas. Et la plupart d'ailleurs, si on arrive à l'amener correctement, parce que vous les connaissez mieux que moi, vos boss, vos supérieurs, pour ceux qui en ont ici, ça marche. Et en tout cas, c'est ce que je dis aux gens dans mes formations. Et ça fonctionne, j'en ai des retours. Par contre, effectivement, si vous tombez sur un manager qui est un peu en mode command and control, c'est-à-dire non, mais non seulement tu fais ce que je te dis, mais tu vas le faire comme je te le dis, donc comment je te le dis, bah là, c'est quoi votre rôle? C'est quoi votre boulot? C'est vous êtes un pouce-bouton, en fait. Et donc, vous n'êtes plus manager. Donc, là, dans ton sujet, Elisa, excuse-moi, beaucoup de mal avec les prénoms. Excuse-moi, Elisa. Dans ton sujet, c'est presque pareil, en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir un sujet de quelle est ma sphère d'influence et quelle est ma capacité d'action sur le sujet. Et si toutefois, tu penses que ce n'est pas possible, demande-toi comment tu peux faire pour que ça le devienne, si tu y crois. Et parfois, mais heureusement, ce n'est pas la majorité du temps quand même. Parfois, peut-être, tu arriveras sur des sujets où tu tomberas et tu diras, mais en fait, ils ne comprennent pas que ça n'a pas de sens, en fait. Et donc, tu tomberas sur le sujet une fois, deux fois, trois fois, et peut-être, au bout d'un moment, tu en auras marre. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, tu réfléchiras peut-être aussi toi différemment et tu arriveras à amener le truc différemment pour qu'eux le comprennent. Peut-être aussi. Donc, il y a un vrai sujet de c'est quoi ma limite? Tu vois, autant le manager, le comment je gère mon équipe, c'est sa sphère à lui, c'est sa zone à lui. Quelle est ta zone à toi? Tu vois? Ça répond un peu à ton interrogation?
C'est un autre sujet dans le sens où, bah, du coup, je ne suis pas manager, mais effectivement, après, dans l'idée. On va dire que je suis la référente pour tout ce qui est le digital. Donc, après, à moi de montrer l'exemple, et si ça se passe bien, enfin, entre guillemets, mon exemple est bon, peut-être qu'ils auront envie de me suivre. On va dire ça comme ça. Malgré qu'on n'a pas les mêmes intérêts encore. Mais du coup, on va travailler sur les intérêts de chacun. L'exemplarité est un très bon moteur de leadership. Ça, c'est sûr. Mais il n'est pas le seul. Non, c'est oui. Parce que regarde, quand on avait nos parents qui nous disaient, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, moi, sur certains sujets, j'ai eu ça. Hein. Non, mais tu fais ce que je dis, mais tu ne fais pas ce que je fais. Ça marchait? Ben non, ça ne marche pas. Non, c'est clair. Ça marche pas. Ou que vous les voyez faire un truc qu'ils vous interdisent de faire, ça ne marche pas. Clairement, c'est même pire. Et je ne sais plus, il y a des statistiques comme ça sur des parents, par exemple, qui fument et qui disent à leurs enfants de ne pas fumer. Mais clairement, qu'est-ce qu'ils font plus tard? Les enfants fument. Enfin, voilà. C'est comme on n'a pas le droit de rouler à plus de X km heure, mais si tes parents l'ont fait, bah, plus tard, tu t'autorises de le faire. Parce que tu as eu cet exemple-là durant ton enfance. Ben, tu n'as pas droit à rouler à plus de 130 km heure sur l'autoroute, mais en revanche, quand tu croises certaines grosses bagnoles avec des motards devant et des motards derrière, ils sont à plus de 200, mais eux, ils ont le droit. Voilà, ben ça déjà, typiquement. La même logique, c'est une question d'autorité. Là, je parlais d'autorité parentale, mais là, on est sur une question d'autorité. Si l'autorité perçue comme telle, je parle, hein, on est bien d'accord, n'est pas exemplaire, voilà. Hein. Oh là, tu peux, c'est sûr de ouais, cause toujours. Ah ouais. Exactement. Ouais, mais comme tu le disais, c'est un autre sujet, mais en fait, c'est un sujet qui est corrélé au tien. Non, mais c'est pour ça que, comme quoi, il faut quand même être un bon exemple il faut pratiquer ce qu'on dit de faire, en fait, quoi, clairement. Et pas l'inverse. J'ai même envie de te dire un peu plus loin que ça. C'est Gandhi a une belle phrase, enfin avait, pardon, une belle phrase pour ça, c'est incarner le changement que vous voulez voir dans ce monde. Je pense que Yves, si tu fais de l'écologie, que tu me parles de changement, tu dois la connaître celle-là. Oui, tout à fait. Sinon, ça n'a pas de sens en fait. Mais oui, c'est sûr. Hein. Quand je vois la ministre, par exemple, pour prendre un exemple, je vois la ministre l'autre jour de l'environnement qui dit pour réduire vos émissions, il y a des gestes simples. Il ne faut pas conserver les mails. Alors, on ne peut pas dire que c'est faux, mais il y a peut-être des trucs plus urgents quand même. Ouais. Peut-être des sensibilisations un petit peu plus urgentes avant, qui auraient plus d'impact, par exemple. Je ne sais pas si tu l'as entendu, celle-là, Yves. Hein. Non, je n'ai pas fait attention. C'est joli, celle-là. Bref. Donc oui, l'exemplarité, bien sûr. Oui. Ah ouais. Mais tu sais déjà, si tu arrives à avoir, définir avec tes commerciaux, je fais des guillemets, hein, mais tu as compris l'idée, pourquoi ils le feraient, quel est leur intérêt à le faire, mais le co-construire avec eux, ça, vraiment. Ouais. Co-construire au-delà de ça, le parcours qui va les emmener à ça. Comment ils veulent y aller, comment ils veulent être accompagnés. Parce qu'en fait, on est les seuls à savoir réellement comment on apprend bien. Chacun. On est les seuls à le savoir. Et si tu arrives vraiment à faire ça et que tu arrives à le porter, ce sujet, auprès des gens qui sont décisionnaires des budgets et des manières de faire et de l'allocation des ressources, etc., tu le dis comme tu veux, et qu'après, tu leur dis, tu leur amènes du comment le faire, mais en le définissant avec eux justement, comment tu vas leur amener le comment. Si tu as vraiment toutes ces étapes-là dans l'ordre, je te garantis que tu vas embarquer du monde. Ouais. Ça, c'est sûr. Ce sont les règles de base de l'implication d'un être humain. Hein. Et dans tous les domaines, là, on parle d'entreprise. L'entreprise, en fait, pour information, pour pouvoir impliquer l'être humain dans l'entreprise, en fait, il faut enlever des choses. Il faut enlever des... Alors, les Anglais ont un terme pour ça, ils disent « remove the impediments ». C'est-à-dire, en gros, tous les trucs qui viennent bloquer les rouages de fonctionnement normal d'une organisation humaine.
La hiérarchie en est un, par exemple. Et en fait, à partir du moment où tu laisses fonctionner la dynamique humaine, ce qu'on dit, beaucoup de gens disent, ouais, mais il n'y a pas de dynamique humaine dans les entreprises, il faut relancer la dynamique humaine. Bah, en fait, il faut enlever des trucs pour qu'elle marche. Parce que quand tu mets des humains ensemble, se crée naturellement une dynamique humaine. Mais avec toutes les règles, toutes les process, toutes les mesures, toutes les règles, etc., en fait, ça bloque ces rouages. Et donc, tu n'as plus de dynamique humaine qui fonctionne correctement. Et donc là, si on repart d'un truc basique, comment on ferait si on n'était pas dans une entreprise pour donner envie à des gens de faire ? Eh bien, en fait, si tu te poses la question, c'est exactement les mêmes éléments que je viens de te donner dans le même ordre. Même si on était entre potes en train de discuter d'un truc. La logique est exactement la même. On se posera la question de pourquoi on le fait ? C'est quoi notre intérêt à le faire ? Ok, ben comment on fait ? Comment on y arrive ? Comment on va faire le chemin ? Et ensuite, techniquement, comment on le fait ? Ça vient en dernier. Ouais. En fait, si je veux résumer, sans le faire exprès d'ailleurs, hein, je suis retourné dans le fameux cercle d'or de Simon Sinek, je ne sais pas si ça vous parle, où au milieu, tu as une cible en fait, hein, c'est une sorte de cible, et au milieu, tu as « why », autour, tu as « how », et autour encore, tu as « what ». Donc, pourquoi je le fais ? C'est quoi mon intérêt ? Comment je le fais ? How ? Et ce que je fais pour le faire ? On est exactement là-dedans, tu vois, je ne l'avais pas fait exprès, mais on est exactement là-dedans en fait. Très bon bouquin d'ailleurs, Cercle d'or. C'est Start with Why. Start with Why, le nom du bouquin, je crois. Il existe en français, Démarrer avec pourquoi, je crois, il s'appelle tout simplement. Ok. Et si vous voulez le sujet de tout à l'heure sur les histoires d'argent et sur les comment on fonctionne, comment on peut motiver les gens, c'est vraiment le sujet du bouquin. Vous le trouvez à 7 € et quelques sur Amazon. Le bouquin s'appelle La vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink. Voilà, je vous conseille très modestement ces ouvrages très inspirants, je trouve. Bon. Des remarques, questions? De toute façon, c'est bientôt terminé. Ouais. Loïc va normalement de nous envoyer un petit message quand il... Ouais, nous disant qu'il va rester 5 minutes, je crois. C'est ça. Bah, j'ai bien fait de venir, de switcher, du coup. Ah bah écoute, j'en suis ravi si ça t'a été utile. Non, mais comme quoi, qui a dit tout à l'heure, je crois que c'est Alison de la marque, j'ai pas retenu la marque, mais les savons là, d'ailleurs, je pense que j'en ai acheté. Elle a bien fait de venir aussi, parce qu'elles habitent pas très loin, donc je connais son associé. Et bref, mais elle a dit qu'il fallait répéter au moins 7 fois les messages pour qu'ils soient entendus. Donc là, tu as répété plusieurs fois l'intérêt, le pourquoi, donc je pense que c'est bon, j'ai emmagasiné. Alors, je ne l'ai pas répété pour le répéter, c'est qu'à chaque fois, il est associé, tu vois, d'une manière. Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas. Alors, moi, je n'ai jamais vu de trucs psychologiques, d'études sur le sujet, comme quoi il fallait 7 fois. Non, mais c'est vrai que c'est… Enfin, en tout cas, sur… moi, j'ai déjà entendu qu'effectivement, il faut pas avoir peur de répéter le contenu sur les réseaux sociaux parce que… En fait, pour qu'un message soit enregistré, il faut le répéter, quoi. Il faut qu'il soit vu plusieurs fois, mais comme plein de choses, finalement, comme une routine, quand on veut mettre une routine en place, pareil, il faut au moins 60 jours pour que vraiment cette routine soit automatisée, quoi, automatique, entre guillemets. Du Duolingo ou des choses comme ça, si on arrête au bout de 7 jours, eh ben voilà quoi. Mais si on fait l'effort, de se mettre une alarme, etc., après c'est bon, c'est rentré dans notre routine au quotidien et en fait le cerveau l'enregistre comme se brosser les dents, quoi, par exemple, comme une tâche qu'on n'oublierait pas, quoi. Alors tout est relatif. En fait, le 60 jours, c'est un truc qui a été. Enfin, je ne sais plus comment ça a été fait. Ouais, on va se faire jeter. Très vite, ça dépend de ton secteur d'activité. Ok. Adelin, il est au téléphone encore, Adelin, ou tes derniers mots, Adelin? Désolé, vous m'entendez, les aléas du direct, il y a la boutique en fait.